Salut tout le monde, c'est Jack et bienvenue dans une nouvelle présentation de jeu. Alors, nouvelle, pas si nouvelle que ça, puisque cette fois-ci, on teste SimCity Ville de Demain, Ladown, sorti le 14 novembre 2013, je rappelle, pour le jeu SimCity, édité par Electronic Arts et développé par Maxis. Qu'est-ce que cet add-on finalement a de plus que le jeu de base? À part ce petit côté, futuriste, pas grand chose. Et malheureusement, vu le prix qu'il coûte, on est très très loin, parce que c'est quasiment le prix d'un jeu, je sais plus à combien il est, à 29, quelque chose comme ça, quasiment 30 €, on est vraiment très très loin d'un jeu supplémentaire. Alors je vais vous parler des ajouts, là c'était une petite ville que j'ai créée en quelques minutes, vraiment je me suis pas embêté, je vous avoue que je suis en mode bac à sable, cheat à mort, histoire de vous montrer toutes les possibilités, parce que malheureusement, les ajouts de cet add-on sont clairement des ajouts endgame. Vu le prix exorbitant, c'est clairement pas des choses. En fait, vous ne pourrez pas commencer votre ville directement de manière futuriste. C'est pas possible. Donc, alors les ajouts. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de choses sur ma ville. Je crois que j'ai quasiment tout construit. J'ai essayé de tout faire histoire de tout vous montrer. Donc, un des principaux problèmes de ce SimCity, c'était les problèmes d'espace, et ils ne sont toujours pas réglés. Vous avez quelques maps en plus, j'essaierai de vous les montrer peut-être à la fin de la vidéo si j'ai le temps, mais vraiment rien de... les carrés sont toujours pareils. Voilà, on va être en... pas de prendre de pincettes, on va aller directement sur les choses concrètes. C'est la zone des villes n'a pas évolué, voilà, c'est tout simplement. Alors, comment ils ont essayé de régler ce problème? Avec ces mégatours. Donc vous voyez, hop, je vais vous montrer, c'est 8 mégatours, je crois qu'il y en a 8, 1, 2, 3, 4, ouais, l'autre elle est cachée derrière, donc vous en avez 4 de luxe, ce sont les blanches, et 4 mégatours normales, ce sont les noires. Bien sûr, les de luxe permettent la construction, alors pourquoi de luxe, pourquoi normal? Vous n'allez pas forcément pouvoir faire les... Ah, je crois qu'il passe au milieu de la mégatour, mais non. Vous n'allez pas... Ah si, il est passé au milieu de la mégatour, l'avion, bon c'est pas grave. Vous n'allez pas pouvoir construire la même chose des deux côtés. Alors, pas la même chose, et en même temps... la même chose. Pourquoi? Vous allez dans chaque tour, à chaque fois, construire la base. Quand la base sera construite, vous pourrez ajouter des étages. Par exemple, prenons... je vais vous montrer sur les mégatours. Donc, vous voyez, elles sont toutes la même mégatour. On va prendre celle-là, par exemple. Eh bien, j'ai commencé alors avec la base, bien sûr, qui ne sert à rien, qui coûte, c'est tout. Après, j'ai fait un niveau commercial... avec peu de demandes, un niveau de vie peu élevé, un niveau commercial, un niveau de vie moyen, puis j'ai enchaîné avec un niveau sécurité qui fournit en fait avec le principe de drone que je vais vous expliquer un petit peu après les mégatours, tout ce qui est police, hôpital, incendie, etc. Mais bon, c'est pas forcément aussi performant que ce que vous pouvez trouver sur avec une vraie caserne de pompiers bien évoluée, etc. Après, j'ai ma gare de pont suspendu qui me prend un niveau, donc qui me permet de créer des ponts, là, comme vous pouvez les voir, qui relient les villes entre elles pour limiter les voitures au sol. Et c'est vrai que c'est super efficace, parce qu'en fait, à vrai dire, avec tout ce que j'ai pu mettre de nouvelles choses en fait pour circuler dans ma ville, je vous avoue qu'il y a quasiment plus de voitures. Alors ça, par contre, le problème est assez impressionnant. Enfin, a été réglé assez bien. Bon, maintenant, là, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir des embouteillages de drones, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai fait des niveaux d'appartement, de niveau de vie moyen, niveau d'appartement peu élevé, un niveau d'éducation qui permet d'avoir des classes, par exemple, voilà, là vous avez à peu près 2000 places, et vous allez finir avec une... comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus, désolé. Une couronne, voilà, qui se place tout en haut, et vous en avez 6 sortes. Vous avez des couronnes publicitaires qui permettent d'attirer plus de monde dans les boutiques de cette tour. Vous avez ici des couronnes parc, des couronnes montagne russe. C'est pour les tours normales. Et des couronnes nettoyeurs d'air pur 2. Attention, parce qu'il y a les 5 ou 6 peut-être. Pour les mégatours de luxe, c'est exactement la même chose, sauf que les niveaux de vie sont directement moyens et ils vous permettent de créer des niveaux de vie élevés, que ça soit pour les appartements, les commerces ou l'industrie. J'ai fait 2 tours d'industrie à côté que je vais vous montrer. Dans celui-là, j'ai aussi fait un niveau de sécurité et j'ai terminé avec une couronne touristique de luxe. Ici, j'ai fait une couronne de parc.
ici une couronne publicitaire et là j'ai fait une couronne nettoyeuse d'air. Donc vous voyez, les deux nettoyeuses d'air ont été en haut de mes deux tours, ma luxe et ma normale, parce que c'est là où il y a mon coin industriel et ça permet de nettoyer. L'intérêt de celle-là par rapport à celle normale, c'est qu'elle génère des petits nuages d'air frais et elles sont beaucoup plus efficaces. Bien sûr, les tours luxe sont beaucoup plus chères à construire que les tours normales. Tout simplement. Donc avec ce système, et bien sûr dans ces deux tours là qui sont du côté industriel, j'ai fait des bureaux. J'ai fait des bureaux moyens et élevés, et ici j'ai fait des bureaux peu élevés et moyens. Voilà. J'ai quand même fait. Rien ne vous empêche de faire une tour avec des bureaux, des commerces, voilà ce que vous voulez, et même une tour de service si ça vous fait délirer. Une tour avec éducation, sécurité, il y a d'autres services, il y a même des services de l'électricité, nettoyage, enfin par rapport à la gestion des détritus, etc. Vous avez beaucoup de possibilités. La couronne tout en haut de la tour vous permet, quand vous en avez plus de 5 dans la région, je parle pas dans la ville, de la région, vous permet d'avoir des bonus en plus. Là par exemple j'en ai 3 parce que j'ai une autre ville à côté, mais par exemple publicitaire j'en ai 4, les jardins j'en ai 5, donc ça augmente le bonheur des appartements et les gens viennent plus dans cette ville. Bon, les ponts sont assez bien faits, bon là ils sont pas trop utilisés, mais je vous avoue que les ponts qui permettent d'aller à l'industrie sont souvent, là c'est pas le cas, mais souvent il y a des, vous voyez sur ces ponts là, il y a des bouchons, ça arrive assez régulièrement, mais vous voyez au niveau du sol, c'est plus que, en fait c'est vide, voilà, il n'y a plus rien, c'est vide, voilà, voilà mes rues, mes axes routiers, ce ne sont plus que des camions de Omega Co là qui livrent des ressources, c'est vide, un camion de poubelle, mais voilà, il n'y a plus rien. Alors bon, bien sûr j'ai mis des tramways au sol, ce nouveau tramway qui est au-dessus des villes là, les gares de train magnétiques qui sont aussi assez efficaces, en fait, est assez simple à poser, c'est très très agréable à mettre, qui voilà, vous pouvez en foutre un peu partout, même au-dessus des petites routes, vous voyez, j'en ai mis là, histoire de faire le tour de ma ville, bon, qu'importe le, hop, c'est pas grave, ça fait des petites montagnes russes, c'est très très efficace. Donc là, je crois que j'ai un peu fait le tour au niveau des habitations. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. Ça occupe quand même plusieurs heures. Hein. Je vous avoue que le côté futuriste est assez sympa. Au niveau des rues, si vous pouvez remarquer, les rues ont changé. Vous voyez, les petits traits bleus, les petits traits rouges. Voilà. Les appartements et tout. En fait, ce sont les objets, ce sont les nouvelles constructions futuristes qui changent les constructions qui sont autour d'elles. Voilà, tout simplement. Donc à partir du moment où vous allez faire une méga tour, tous les bâtiments autour, les rues, etc., vont changer. Voilà, vous n'avez pas forcément le choix, ou en tout cas je ne l'ai pas trouvé, mais moi c'était pour le principe de jouer futuriste, j'aime bien ça, donc j'allais pas le changer, bien sûr. Mais rien ne vous empêche de... Voilà, donc comment transformer sa ville, vous mettez des objets futuristes. Et là vous voyez, j'ai rien de futuriste, si j'ai mis ça, mais vous voyez dans ce coin-là, ma rue est normale. Et de l'autre côté, plus on se rapproche des choses futuristes, et voilà, plus on a plus on a la route qui... Ça donne un petit côté Tron, personnellement ça me fait penser à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon au niveau... je vais regarder quand même parce que j'ai pas forcément tout en tête. Alors, de l'électricité, les centrales à fusion qui permettent de générer une grosse quantité d'électricité et qui ont besoin d'être alimentées au début. Alors, j'en ai construit une ici. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez la construire et elle va vous pomper pendant l'activation. Vous allez avoir un bouton activé. Elle va vous pomper toute l'électricité de votre ville et il faut que vous ayez une grosse consommation électrique déjà dans votre ville. Sinon, le moteur n'arrivera pas à se démarrer. Et à partir du moment où il est démarré, il va générer de l'électricité quasiment autant qu'une centrale nucléaire sans aucun problème secondaire. Ça, c'est génial. Sinon, vous avez les centrales holo, etc., truc machin chouette, qui vous permettent en fait de vous les placer près de l'eau. Là, je peux pas, j'ai plus de place. Vous les placez près de l'eau et en fait, elles vont mettre des espèces d'éoliennes dans l'eau. Vous allez pouvoir en construire tout le long sur la ligne et ça va générer de l'électricité. Voilà, bon, c'est pas énorme, mais si vous avez une grosse zone. Sur la mer qui ne sert à rien, c'est un moyen simple de mettre quelque chose qui va vous rentabiliser et vous éviter peut-être ou gagner de la place sur une centrale électrique ou une centrale éolienne, une centrale solaire ou une centrale éolienne, parce que vous attendez pas que ça se produise autant qu'une centrale à charbon ou à pétrole. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'eau, je vais avoir quoi ? Des stations d'hydropompage. C'est la version améliorée en fait des châteaux d'eau, tout simplement.
Voilà, c'est assez pratique, je vous avoue que j'en ai mis un petit peu partout dans ma ville. Au niveau des déchets, on a quoi? Alors, au niveau des déchets, on va avoir un assainisseur d'eau usée qui va vous permettre de récolter, de traiter quasiment autant que la station d'épuration, mais vous permettre de en même temps l'eau assainie en fait directement de la renvoyer dans les canalisations pour redonner de l'eau à votre ville. C'était l'ancien système de mettre une station d'épuration et à côté des une station de pompage par exemple qui récupérait l'eau des eaux usées. Sauf que là maintenant c'est deux en un. Vous mettez directement un assainisseur d'eau usée, il va enlever les détritus, laver les eaux usées et en même temps les renvoyer directement dans votre gestion des eaux. Donc ça c'est plutôt bien. Au niveau administratif, rien. Au niveau des poubelles, des éliminations des ordures, on a cette magnifique nettoyeur de sol. Cet aspirateur géant se place au sol, va aspirer dans le cercle vert tous les détritus qui sont situés dans le sol. Par contre, ils vont les envoyer dans l'air. Donc en fait, vous ne faites que éliminer un problème sur un autre. Vous enlevez la pollution du sol et vous la balancez dans les airs. Principal intérêt, quand vous avez des problèmes de radioactivité, des choses comme ça vous permet de très rapidement remettre la zone à neuf, ou si vous avez un problème, par exemple, d'ordure, etc. Ça vous permet d'un petit peu mieux gérer comment ça s'appelle? Eh bien, le sol, tout simplement. Bon, par contre, ne vous retrouvez pas non plus, voilà, c'est à utiliser avec parcimonie, mais moi j'en ai foutu un peu partout. Je vous avoue qu'avec les deux assainisseurs nettoyeurs d'air, c'est ça aussi le principe, c'est que j'ai parié là-dessus en fait, de tout balancer dans les airs et après d'assainir avec mes deux mégatoires. Au niveau des pompiers, on n'a rien. Au niveau de la santé, on n'a rien. Au niveau de la police, on n'a rien. Je vous montrerai après les quelques améliorations dans chaque chose, mais c'est vraiment très limité. L'éducation, on n'a rien. Et dans les transports, on a les trains magnétiques, comme je vous ai montré. Au niveau des parcs, vous avez quelques parcs en plus, rien de non plus exceptionnel, avec principalement le Place du Millénaire qui augmente pas mal la valeur du terrain pour quelque chose qui... Voilà. Mais bon, qui marche plutôt bien. Et en plus, ça modernise, j'ai oublié de le dire, comme c'est un objet futuriste, ça modernise les objets, les trucs qui sont autour. Bon. Je voulais montrer pour la police, en fait, le gros intérêt au niveau de la police. Commissariat, ah oui. Ça va être les drones, en fait. Chaque objet, chaque bâtiment administratif, que ce soit la police, les pompiers ou les hôpitaux peuvent créer maintenant ces petits trucs-là, ces espèces de trucs envoyeurs de drones, et ils envoient régulièrement des drones régler les problèmes. Alors, les drones, je vais en parler, sont construits par Omega Co, c'est une usine que vous allez faire et qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Omega Co fournit des drones qui vont après être utilisés en Medi-drone, Police-drone, Pompier-drone, je ne sais pas les noms, enfin bon, vous avez à peu près compris le truc. Et ils vont remplacer votre besoin en population, en fait, tout simplement, si jamais... tout simplement, ils vont remplacer la valeur humaine. Par exemple, là, on a un drone... hop. Voilà, là on a un drone policier et il va rentrer dans la tour, voilà. Tout simplement. On en a partout des drones. Je vous avoue que il remplace vraiment. C'est une voiture de police. Vous voyez, même les voitures deviennent futuristes en fait. Espèce d'aéro. Bon, bref, voilà. Vous avez compris. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Et donc en fait, l'intérêt des drones par rapport au reste, c'est qu'ils sont au-dessus des routes. Donc, encore un moyen facile d'éliminer la circulation. Et c'est pour ça qu'on en arrive, vous voyez, avec des rues quasiment vides, quoi. Pour une ville de 170 000 habitants, c'est pas... Voilà, quoi, j'ai déjà eu pire. Bon, il y a quelques rues qui sont un peu, mais regardez, vous mettez là sur les rues principales, elles sont loin d'être bondées, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, les drones se sont produits par Omega Co. Omega Co, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, dans la spécialisation de la ville, vous avez tout ce qui est lié à vos tours et les ponts que vous pouvez créer. Vous voyez, moi j'ai essayé de faire quelque chose de beau en reliant les tours les unes aux autres. Vous avez... Ah, j'en ai pas parlé, je vais en parler avant de l'Omega Co et je vais finir avec l'Omega Company. Il y a et c'est très important, l'académie. L'académie, je l'ai construit ici. Bon, bien sûr, je suis en mode bac à sable, donc forcément, elle s'est construite au maximum. L'académie va vous permettre de créer du contrôle net et de développer différents
différentes choses qui vont vous permettre de débloquer toutes les améliorations de cet add-on. Tout simplement, au début, vous n'avez accès à rien, et c'est normal. Et toutes ces améliorations, il va falloir les chercher. Et c'est grâce à l'académie que vous allez les chercher. La garde de train magnétique, l'assainisseur d'eau, l'amplificateur éolien solaire, j'en ai pas parlé aussi, mais sur vos centrales éoliennes et solaires, vous allez pouvoir rajouter des petits amplificateurs qui se mettent au niveau des générateurs d'électricité et qui vont doubler la génération d'électricité pour les centrales éoliennes et solaires. En gros, pour leur donner une seconde vie, parce que c'est vrai qu'au début, ça pouvait dépanner, mais c'était rarement quelque chose qui pouvait satisfaire une ville, même un petit surplus, un petit besoin, finalement, on était très vite limité, puis ça prenait une place folle. Là, ça va rentabiliser très rapidement vos centrales éoliennes et solaires, puisque ça va doubler leur productivité. Donc, ça relance, en fait, ces centrales, voilà. Tous les ponts suspendus, la centrale holomotrice, celle qui est gérée dans l'eau, le niveau de réduction des déchets pour les tours, tout se recherche. Donc c'est un endroit très important, c'est vraiment l'équivalent de l'académie universitaire en fait, tout simplement, mais pour les nouvelles technologies. Et vous voyez tous les cercles qui partent dans les sens, ça c'est de, oh, j'en envoie sur ma deuxième ville là, c'est de du contrôle net. Alors le contrôle net, à quoi ça sert et comment le gérer, le générer surtout. Alors, le contrôle net est une ressource utilisable dans quasiment 90% des nouveaux bâtiments futuristes. Par exemple, vous avez pont magnétique. Non, pas le pont magnétique. Mauvais exemple. On va prendre. J'ai pas l'holoculteur, mais tiens, tenez, la gare magnétique. Voilà. Contrôle net connecté, ça en demande 50. Tout simplement. Les trucs magnétiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'assainisseur. Contrôle net connecté, 1250. Et chaque bâtiment va vous demander du contrôle net. Tout simplement. Et si vous l'avez pas, le bâtiment, même si vous l'avez construit, il ne fonctionnera pas. Il faut le savoir. Là par exemple, l'assainisseur qui est. Non, hop, j'ai un assainisseur ici. Voilà. Contrôle net connecté, 8950. Pourquoi? Parce que de l'assainisseur de base, j'y ai mis après, vous en faites pas, c'est pas vert là, c'est juste un bug, c'est juste parce que j'ai chopé contrôle net, voilà. Hop, j'y ai mis des assainisseurs, à chaque fois ça augmente la quantité de contrôle net demandé, tout simplement. Donc contrôle net, en fait, permet de faire fonctionner. Et si vous ne générez pas assez de contrôle net, vos bâtiments futuristes ne fonctionnent pas. Alors l'intérêt, c'est que vous pouvez aussi en vendre aux autres villes de votre région. Donc, ça c'est bien. Et comment en générer? Alors l'académie en génère déjà de base. Vous avez un nombre d'employés, que ce soit en nombre d'employés de faible niveau de richesse, moyen et très élevé de richesse, des gens qui vont venir travailler là et qui vont générer du contrôle net. Tout simplement. Après, vous allez pouvoir déposer des nouveaux bâtiments qui s'appellent les usines de contrôle net et qui vont permettre d'augmenter cette bande, en fait, cette bande passante qui est générée par ces travailleurs. Vous voyez, l'académie ne génère que 50 personnes. Mais moi, j'ai mis assez d'usines de contrôle net pour avoir 3000 personnes qui travaillent tout simplement. Non, c'est pas le nombre de personnes qui travaillent, c'est le nombre de contrôle net que je produis. 10 contrôle net par employé. Vous faites le calcul, je suis très loin des 5000, des 50 000, des 50 employés. Donc vous voyez, à chaque fois que vous mettez hop, je vais vous montrer, j'en ai un ici qui génère par exemple. Là, hop, à chaque fois ça augmente de 25, 50 et 100 par niveau de richesse. Donc vous en mettez un peu partout dans votre ville, bien sûr si vous n'êtes pas en déj d'emploi, d'employés bien sûr, et si vous avez des employés en trop ou un taux de chômage, vous en mettez, ça vous permet de générer plus de contrôle net. Voilà, je pense avoir fait le tour et tous les bâtiments malheureusement ont besoin. Alors c'est un atout, en même temps c'est un inconvénient parce que très rapidement, si vous n'avez pas de contrôle net, plus rien ne fonctionne et ça c'est embêtant. Par exemple, une tour, niveau de réduction des déchets, voilà, c'était un service, contrôle net connecté, 2500. Etc, etc, etc. Vous voyez, et vous réduisez les déchets et les eaux usées de la mégatour. Ça peut être utile. Alors, la dernière chose et qui va vous permettre de générer beaucoup de profit, c'est l'Omega Co. Alors, l'Omega Co,
comme n'importe quel principe, que ça soit au niveau de l'extraction, du forage, du commerce, etc., même de l'électronique, vous avez des sièges. Vous avez un siège OmegaCo qui vous permet en fait de vous spécialiser. Mon siège OmegaCo, il est ici, bien sûr, pareil, il était livré en mode bac à sable tout construit, et vous allez pouvoir faire différentes divisions, en fait, la division robotique qui vous permet de créer des drones, la division extraction qui vous permet d'extraire directement pour OmegaCo des ressources, et la division commerce qui va vous permettre de créer des plateformes, etc. Je vais vous montrer. Alors, le siège c'est bien, mais ça permet pas de faire fonctionner l'OmegaCo. L'OmegaCo c'est des usines OmegaCo. Donc, vous créez ces usines là, celle-là, et vous allez rajouter après, vous pouvez rajouter soit une division, une chaîne de production qui va vous permettre de créer des marchandises qui sont très importantes, mais aussi des chaînes de montage de drones qui sont aussi très importantes, donc à vous de bien gérer. Pourquoi les marchandises c'est important? Les marchandises sont les produits qui sont livrés dans vos usines, chez vos habitants et dans vos commerces. Plus vous en produisez, plus vous en vendez, plus vous avez d'argent. Néanmoins, les drones vont vous permettre de livrer ces marchandises. Ils vont aussi vous permettre, bien sûr on produit plus de drones avec une usine de drones que l'équivalent quasiment de deux chaînes de montage de chaînes de production, heureusement. Mais les drones sont aussi très utiles car ils vont vous permettre de gérer tout ce qui est police, pompiers, soins et livraison. Comme je vous ai expliqué, la police, vous pouvez rajouter des drones, etc. Les drones se cassent automatiquement au bout d'un certain nombre d'usages et doivent être remplacés. Ils ne sont pas automatiques, donc d'où l'intérêt d'avoir constamment des chaînes de montage. Sur l'usine, vous allez pouvoir aussi créer des plateformes d'ADAV, je me souviens plus les initiales que c'est, mais c'est le principe de les livraisons automatiques. Donc vous mettez ces plateformes et vous faites livrer directement les ressources à votre usine. Terminé d'être obligé de passer par comment ça s'appelle ? Ouais, j'ai oublié le nom. Excusez-moi. L'entrepôt commercial, terminé, vous êtes livré directement sur votre usine. L'autre chose qui est très important, c'est l'extracteur qui va vous permettre en fait de créer une capsule d'extraction directement sur vos ressources. Par exemple, vous mettez la capsule d'extraction sur le pétrole et après vous le reliez grâce à ce petit tuyau directement, et tout ce qui est, vous voyez, vous pouvez le relier comme ça. Alors là, bien sûr, tout est construit partout, donc je ne peux pas, mais ça vous permet directement de relier les extracteurs qui vont extraire automatiquement les deux ressources dont a besoin les usines, qui sont, je me souviens plus, c'est, ah oui, le pétrole et le minerai brut, et pour les drones ils ont besoin de processeurs. Donc effectivement ça peut revenir très cher au début, ça revient très très cher, surtout si vous les produisez pas. C'est pour ça que c'est soit quelque chose que vous allez faire après avoir une bonne chaîne de production, ou alors ça va vous coûter cher au début, par contre ça va vous rapporter beaucoup d'argent à la fin. Et grâce à ces extracteurs, vous extrayez directement le pétrole et les minéraux, et ça va directement à votre usine. Plus besoin de passer par des intermittents, etc. Donc ça, c'est vraiment excellent. L'OmegaCo, le principe, c'est des usines qui livrent partout, qui livrent tout le monde. Et vous voyez, dès que quelque chose est livré, même les bâtiments, même les tout le monde, que ce soit les commerces, les habitants, les industries, tout le monde et tous les gens qui sont livrés produisent et génèrent de l'argent. Donc en fait, quand vous avez par exemple, hop, je vais me tirer de ça, je vais vous montrer. On va prendre cet immeuble d'habitation. Cet immeuble appartient, est un membre or de OmegaCo, c'est-à-dire qu'il est, ça fait longtemps qu'il est livré par OmegaCo. Il rapporte 400 simflouz de l'heure, multiplié par 2 puisque c'est un membre or. Et prenons par exemple une autre maison. Prenons. Hop, ici, ce n'est pas un membre or, mais c'est un fier membre d'OmegaCo quand même, et il rapporte 448. Alors bien sûr, les tours rapportent beaucoup plus de 1006, là je suis à 3002, celles qui sont complètement remplies d'industrie rapportent plus. Il faut le savoir, c'est 4785, là vous avez, par heure. Il faut savoir que, en fait, pour redonner un second souffle, à l'industrie, ils ont décidé que l'OmegaCo rapportait plus sur l'industrie, puis le commerce, puis les habitants. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les villes avaient pas forcément énormément de capacité industrielle, parce que justement, ça entre la pollution, etc., etc., avait plus d'inconvénients que de choses positives.
Eh bien, je crois avoir fait à peu près le tour. Donc, en fait, le principe de Megaco, c'est vous allez blinder votre ville d'usine et de drones qui vont aller livrer dans tous les sens de l'Omegaco avec leurs drones et essayer d'avoir le plus de monde. Et plus vous avez là, par exemple, vous voyez 91% de l'industrie appartient à Omegaco, 100% des commerces et 84% des résidences de ma ville. Mais je peux aussi livrer les villes voisines de la région pour me faire encore plus d'argent. Bref, un espèce de contrôle des foules en fait par l'industrie, et plus votre ville compte d'habitants, de zones habitables, de commerce et d'industrie, plus vous gagnez de l'argent, et c'est quelque chose qui peut à long terme faire pérenniser votre ville au lieu de la faire marcher sur l'extraction ou sur des chaînes de montage beaucoup plus coûteuses comme les microprocesseurs, etc. Soit dit en passant, Omegaco ça rapporte beaucoup, mais ça coûte aussi énormément d'argent, comme je vous dis, surtout au début. Là, vous voyez les petits simflous un peu partout. Voilà, c'est cool. C'est cool. Une dernière chose dont j'ai pas parlé, c'est le centre de lancement archéologique qui se situe. Ah, je crois que j'ai peut-être oublié quelque chose. Je crois que je l'ai pas fait, c'est pour ça. Il y a un nouveau casino, mais je ne me souviens plus lequel c'est. Et il y a là, dans les monuments, vous pouvez faire le centre de lancement. Alors, il se remplit automatiquement avec des touristes et des prisonniers. Certains sans-abri essayent d'y aller. Et donc vous avez des gens constamment qui vont rentrer dedans. Là, 5312 personnes sur 10 000. Et vous pouvez le lancer quand vous voulez. Bien sûr, plus vous attendez qu'il y ait de colons. Et plus, en le lançant, vous avez plus de chances que votre vaisseau, puisque c'est un vaisseau après tout, réussisse sa mission, etc. Je vous avoue encore que ça coûte une blinde et en mode bac à sable, j'ai l'impression qu'elles sont désactivées. Il faudra que je le relance en mode normal, histoire de voir ce que ça donne, mais je pense qu'il y a des choses assez marrantes à faire avec. Il y a un nouveau défi et une nouvelle destruction, mais pareil, je les ai pas encore débloqués. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais en cherchant un petit peu sur internet, vous allez pouvoir très rapidement trouver de quoi il s'agit. Donc j'espère que cette petite présentation de là il y a mon autre ville, j'ai essayé de faire un centre-ville dans mon autre région, que de tours luxueuses pour voir ce que ça donne, et tout le reste de ma ville autour comme ça. Mais je vous avoue en fait que ça prend une place folle et qu'on est loin d'avoir réglé quand même les problèmes, parce que même si là ma ville est pas loin d'être rempli, je peux encore l'optimiser pas mal. Vous avez quand même, vous pouvez quand même faire quasiment l'équivalent, que ça soit en termes de, alors, en termes d'habitants, on peut faire l'équivalent sans souci. Hein. Mais c'est juste en termes de services, c'est vrai, de pouvoir mettre les services les uns sur les autres, c'est quand même un sacré avantage. Néanmoins, voilà, c'est marrant, c'est futuriste. Un add-on à 9€ pour changer les skins des villes et quelques bâtiments en plus, d'accord. Mais quelque chose à 30€ comme ça, je peux pas dire que je vous le déconseille, mais personnellement je pense qu'il aurait mieux fallu que j'attende qu'il soit moins cher, et surtout surtout sachant qu'il règle pas les soucis en fait qu'on avait déjà sur le Sims de base, quoi. C'est juste un coup de peinture, un coup de ravalement sympa, mais c'est pas la fin des bugs et des problèmes de place qu'on avait, quoi. C'est loin d'être le cas. Si la tour contenait plus d'habitants, peut-être, parce que sachant que les tours n'ont pas le même, le niveau n'ont pas forcément le même nombre d'habitants par rapport au niveau. Par exemple, on va prendre hop, un niveau moyen, non pas un centre commercial. Hop, un niveau d'appartement moyen, vous allez avoir 600 places. Vous prenez un niveau d'appartement riche, vous en avez que 300. Donc oui, bon, c'est toujours ça, mais finalement, quand vous avez construit toute la tour, quand vos bâtiments sont un peu évolués et tout, vous dites, bah ouais, mais non, parce que moi, dans ma ville d'avant, tout est évolué, il y avait même plus d'habitants que ça. Enfin, moi, personnellement, c'est un peu ce que je me suis aperçu quand j'ai fini cette ville. Je me suis dit, oui, mais non, quoi, j'ai déjà fait mieux. Donc c'est sympa, ça tient en haleine parce qu'on a envie de voir les nouveaux bâtiments, puisque c'est sympa ce côté futuriste. Et puis, mais voilà, c'est pas bon, bref. En tout cas, j'espère que ce semi-test d'add-on, parce que c'est pas vraiment un test, et puis c'était pas vraiment un jeu que j'avais pas encore testé, mais je trouvais ça intéressant de le faire sur cet add-on, vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo en dessous. Et on se dit à la semaine prochaine, dans 2 semaines, je sais pas, parce que je suis en train de tester en fait, je suis en train de travailler sur un nouveau concept
J'espère qu'il portera ses fruits, mais je continuerai mes présentations tout de même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.